Aujourd'hui, j'ai mis mon costume de barman. I'm a bartender today. Nous allons faire piña colada. Piña colada avec Haïti, yo gagné un point commun. Pigo fête patronale, ben yon na pigo fête patronale qui fête en Haïti, c'est 15 août, fête Tigouave, fête Notre-Dame Assomption Tigouave. Et piña colada, justement, l'été inventé 15 août tout. Mais ben, c'est 15 août 1954. À San Juan, capitale Porto Rico, par le barman qui travaillait à l'hôtel Hilton de San Juan. Il s'appelait Don Ramon Ramiro, alias Monchito. Ok, bon, grand pile monde qui essaye de chercher paternité ou bien prend paternité, invention. Piña colada, mais l'histoire a retenu Don Ramon Ramiro et qui était gon l'autre nom qui est Monchito. Alors en 2014, nous avons eu chance ni caméraman nan tout, nous te font passer San Juan Porto Rico, nous te font photo exactement côté et Don Ramon t'a inventé piña colada. Donc à garde photo là, vous avez photo pas nom quoi. Et côté nous t'es yo fait côté Don Ramon t'es inventé le côté t'es habité à tourner yon un lieu touristique des pour aller visiter San Juan. Donc guide touristique là pour passer quand même bon nan Kaela ou bien devant Kaela et côté Don Ramon t'es inventé piña colada le 15 août exactement. Mais je dis à là nous allons montrer deux façons nous qu'a faire piña colada. Nous qu'a utiliser piña colada comme apéritif pour moun ki pral nan Thanksgiving ou bien nan n'importe l'autre occasion. OK? Donc on a les kounya là pour nous qui ensemble ingrédients n'a besoin avec outils n'a besoin pour nous faire deux méthodes piña colada. Et puis permettez-moi remercier tout moun tout membre chaîne là mettez nous la kounya là après nous yo. Non, et maintenant bossa nous quoi nan bossa. Nous avons des gens qui prend plein diamant, qui prend plein saphir, qui prend plein gold, qui prend plein argent. Nous remercier tout le monde de temps en temps, nous mettez nos. Donc ça, c'est la dernière quantité de monde qui joint nous, qui clique sur le bouton join qui est en bas de la vidéo. Ok? Et puis, il y a des gens qui envoyé tout donation par PayPal. Donc, souvlez tout. Ou en Haïti, ou ta vle supporter chaîne nan, même j'avais Mounzaro, programme sa malheureusement pour disponible en Haïti, mon ou ka fèl par mon cash, nan 36 72 25 58, ou bien sous mon compte PayPal, ou bien même sous à l'étranger tout mon compte PayPal, ou vle supporter chaîne nan, ou ka toujours voué donation sous gaspardorelien@gmail.com pour PayPal. Ok? Merci un peu. Bon, il y a des gens qui demandent si je suis cash app, si je suis zel, etc. Bon, je vais chercher des moyens ça autour. Mais il y a d'autres moyens toujours. Il y a Western Union, il y a MoneyGram. Écris-moi sous compte Instagram Gaspard Dorelien Cuisine. Et puis, on a planifié tout le bagage. Merci un peu. On a regardé. Ingrédients, on a besoin pour nous faire piña colada. En place nous besoin pour nous faire piña colada dans deux méthodes là. Premier bagage n'a besoin pour nous faire piña colada c'est ananas. OK, ananas qui en espagnol il dit piña et puis en anglais il dit pineapple. Donc n'a besoin ananas. Là nous gagnons yon moitié ananas que nous t'ai tout d'abord épluché ananas découpé. Nous gagnons moitié là, nous gagnons l'autre moitié là qui n'a friseur.
frigidaire, n'a pas compris tout à l'heure pour qu'ils aient démetté dans le freezer. Et puis nous avons l'autre ananas en entier là, on quitte elle et n'a pas ouest, on a fait avec tout à l'heure comme ça. N'a besoin d'un verre cocktail comme ça. N'a besoin food processor. Bon, mais dans le cas, tout, on a toujours utilisé un blender soufflé. Mais comme moi, je suis un petit peu dans le food processor, je travaille à faire là. Donc, c'est à food processor que je fais. On a besoin de blender. Ok, comme c'est deux méthodes, deux façons pour nous faire pina colada, nous allons faire jeudi à là. Donc, on a besoin de blender pour une façon. On a besoin de crème cocoyer. Alors, il faut faire la différence entre lait cocoyer et crème cocoyer. Et ça fait, on vient avec deux boîtes de ça là. Et pour nous faire distinction, à gauche là, là c'est coconut milk. Ça veut dire c'est lait cocoyer. Et puis là, à droite là, là c'est crème of coconut. Ça veut dire cream of coconut. Ça veut dire c'est crème de coco. Donc, yo différent. Lait là, nous qu'on utilise lait cocoyer, nous qu'on utilise le n'a fait du riz, coulis avec pois, etc. Mais crème cocoyer, c'est plus soit fait cocktail, dessert ou qu'à utiliser parce que lui-même ni sucré. Comme c'est nous-mêmes qu'à faire jus ananas nous, ok. Donc, on a besoin d'une tasse d'eau. Pour faire décor, on a besoin de cerise, on a besoin petit cure-dent couleur ça. Et puis pour décorer cocktail noir, on a besoin parasol pour cocktail. Quitte ben maintenant lui-même, il gagne 12 heures là-dedans. Donc si on a fait net, donc nous gagnons 12 heures. Donc ça oui, les shots en anglais, hein, pour prendre mesure shot là. Lui-même, il mesure environ 5 cuillères. On a besoin d'un passoir cocktail à glace. Et ça, c'est l'objet que nous avons là, c'est lui il est un passoir cocktail à glace. On a besoin warm et pour pina colada, il est plus conseillé d'utiliser et recommandé d'utiliser warm blanc au lieu de warm qui teinté. Donc voilà, nous croyons dans la recette originale là, c'est warm blanc dont Ramon t'a utilisé. Voilà, c'est ensemble ingrédients avec zouti sayo, on a besoin pour nous faire pina colada. Eh bien, nous allons commencer par faire jus ananas. Nous allons faire un jus ananas naturel et avec ananas frais que nous-mêmes nous caler, découper. Ok, là c'est moitié un ananas qui là. Donc, nous faisons plutôt dans food processor parce que food processor a pas besoin en pile liquide. Là, nous avons seulement une tasse d'eau. Puis il faut pousser sur ça vraiment longtemps plus puissant que blender. Eh bien, parti, on va commencer avec vitesse qui est plus bas. On vérifie pour nous faire ça en bas. Il y a un petit bas encore. Et qu'à ponti viré encore. Ok. Bon. Là, ben c'est jus ananas noir barré. On va juste transvaser. On va couler, on va soit. On fait avec gros passoir ça bito. Ananas c'est un fruit, l'aime utiliser moi-même, exploiter le maximum. Nous ça, nous pas le jeter.
Je vais montrer encore qui ça m'a jeté dans Anana. Depuis c'est moi qui fais Anana, m'a jeté. M'a jeté ça m'a montré nous là. Ça c'est peau mais pelure d'ananas, ok? Avant de faire ça, on a bien lavé ananas, on prend et puis nous mettez de l'eau trempée là-dedans. Après 3 jours, de l'eau ça a juste coulé et puis mettez sucre ou bien sirop au miel pour boire. Très bon en termes de goût, ok? Là, il va le fermenter, là-bas ils ont presque un goût du vin ananas. OK donc pour ananas ou ka utiliser l'encore pour faire bon bon si ça le fait aller jus relé si ça brûle le jus OK mais on ka réutiliser l'encore pour faire une boisson pour boire OK donc moi après 3 jours là et l'eau et pour ananas ça avec de l'eau pour le fermenter et puis m'a mettre sirop miel là-dedans pour boire donc mettez ma ananas là-dedans encore qui va bal encore plus goût. OK, l'important en pile parce que des fois on pile colada et quand même on a témoigné, il est pas bon. Pour qui ça? Parce que premièrement, on fait réutiliser et faire de préférence avec lait cocoyé au lieu de crème cocoyé. Donc recette ça c'est avec crème cocoyé le fait. C'est pas avec lait cocoyé. On peut ajouter lait cocoyé à tout oui, tout petit pour balon petit goût, pour rehausser saveur, mais c'est avec crème cocoyée, il est marqué cream of coconut. Donc là dans la market là nous pas chercher là par exemple c'est bon m'a mettre lien pour nous on ka joindre ça sur Amazon m'a mettre lien pour nous joindre crème coconut là, parce que c'est pas tout côté où joindre par exemple en Haïti il pas facile pas songer me connait ouais crème cocoyée dans market. OK donc m'a mettre lien pour nous si nous voulez n'pas acheter sur Amazon. Bon m'a mettre lien et food processor à tout si nous besoin. M'a mettre lien tout 12h ensemble avec shaker ensemble avec passoa cocktail là, m'a mettre tout lien pour nous ka acheter. Alors, formule, une formule pour nous utiliser pour que piña colada nous réussir à fond doser. OK pour yon verre c'est quantité m'bral dinon là pour nous mettre pour que ou pas prendre plus goût crème cocoyé que rhum ou bien plus goût rhum que crème cocoyé ou bien plus goût jus ananas que crème cocoyé pour que l'équilibré. OK c'est qu'on soit fait on fait 2 3 4 2 a on besoin de 2 onces crème 2 onces rhum. OK 2 onces 2 onces rhum 3 onces crème cocoyé et puis 4 onces jus grenadier. C'est comme ça pour l'équilibrer pour le bon. Alors, je vais vous présenter un ingrédient qu'on a besoin encore, c'est glace. OK évidemment. Première méthode là, on a utilisé un shaker. OK donc, son outil, on a besoin pour faire cocktail. Donc, je vais mettre le lien pour acheter un shaker, pour nous donner un shaker. Pour nous bien faire. Et ce n'est pas bah, qui vend cher, tout le monde gagne. Alors, on a besoin tout d'abord 2 onces rhum. Ça, partie ça égale à 5 quilles. 5 quilles égale à 4 onces. Donc, je prends moitié ça. Bon, je prends 3 quarts ça. OK? Rhum. Maintenant, je dis, m'a besoin 3 onces crème cocoyée. OK? Donc, pour 3 onces là, m'a juste aller plus loin que ça. Que ça me déprend à l'heure. 3 onces crème cocoyée. Maintenant, pour ajouter plus goût à piña colada noire, OK pour mettre plus flavor là-dedans, n'a pas ajouté yon ti, OK? Là ça égale à environ 1 once lait cocoyé. OK?
Maintenant, je dis, on a besoin 4 onces jus ananas. On se coule. Ok, on va bien prendre tout ananas. Ça, nous mettez 3 onces là. Voilà. Et puis, qu'on y a là, nous allons mettre glace. On va ajouter glace qu'on y a. On va mettre 3 cubes glace. Ok. Travail ça, comme on fait, c'est 2 doigts tout. Ok, deux doigts ça yo. Index avec le majeur, vous mettez sous tête shaker comme ça, et puis vous secouez en haut sorti en bas. Allez comme ça. Pendant c'est comme ça, de haut en bas. Vigoureusement. Pendant environ 30 secondes. Voilà. Ok. Ouais, il fait mousse, ça veut dire mélange là bien fait. Et puis, on va utiliser passoire à cocktail ça. Et puis, ça c'est quantité pour un monde. On te réserve un morceau ananas, un ballon en taille là. Pour le décor, nous mettons une cerise là-dedans, bon, qui va pas être plongée. Et puis le petit parasol à cocktail. Puis voilà. Notre piña colada est prêt. Ça, c'est la première méthode là. Deuxième méthode là, on peut utiliser blender. Donc, on te mette mousse à ananas dans le freezer. Bon, normalement, on doit mettre dans le freezer pendant 3 heures de temps pour yo faire glace, pour yo freeze. Bon, malheureusement, il n'y a pas de faire glace. Ok, ça c'est moitié en ananas. Et bon, alors, premier, on te mette en tasse de l'eau plus ananas, fait le vin faire 2 tasses là. Ok, donc ça, tu as supposé bailler une tasse normalement. Mais on a doublé dose, l'autre ingrédient n'a pas ajouté. Au lieu de mettre 3 onces seulement de crème cocoyée, on a mis 6 onces. Donc, nous mettons le deuxième, fait 6 onces, et puis, nous mettons 4 onces rhum. Mesure importante, sinon, nous avons une piña colada qui a gagné un goût de un élément plus qu'un autre. Et puis, nous mettons 1 once de lait de coco. Et bien entendu, on va mettre glace. Là, nous mettons 5 cubes glace. Et puis, on va malaxer le tout ensemble. On va commencer avec vitesse qui pipitia. Hein. Vérifier onctuosité mélange noir. Ok. Et qu'à prendre un petit peu encore.
OK, maintenant alors deuxième signe de blending là toujours mettre le nom vert si vous voulez, mais pour faire encore plus joli et plus exotique, nous pourrions présenter deuxième piña colada noir nan ananas. Alors, on va retirer tête là, on va couper OK, nan niveau ça comme ça. OK. Ensuite, on va le retirer mi-temps. Alors, faut le couper droite, faut le sortir droite. Débat un mauvais coup de couteau. Les mi au mi-bas, mais égalé. Alors, vous retirez mi-temps. Fouillez le couteau. Et puis, vous faites le fait tout là. Alors, il y a un instrument qui permet de retirer mi-temps ananas là, ou aller plus vite. Malheureusement, il y a un bagage là. Mais on peut faire avec un couteau. On coupe pour retirer mi-temps là, voilà. Et puis, on continue à nettoyer. Faites attention par exemple pour ne pas percer en bas pour les mettre vide cocktail non à l'heure là pour ne pas tomber en bas. Voilà. OK. Eh ben on a juste versé ça nous va rouler. Voilà. On va mettre notre petit parasol cocktail. Alors, je mets le lien, si quelqu'un qui est intéressé à un parasol comme ça, pour un café cocktail noir, pour nous faire joli, je mets le lien pour nous jeûner. Et puis, si on veut, on ajoute pour le décor, pour les yeux, des cerises qui, j'espère, vont rester à la surface. Eh bien, je mets le comme ça pour arrêter la surface là. Voilà. Et puis. Voilà. Notre piña colada, deuxième méthode, est prête. Maintenant. Toujours pour faire joli, on peut utiliser après un rose, même si on met mes couleurs rose là. Gracias à Don Ramon de Puerto Rico, San Juan, qui t'a inventé cocktail ça. C'est un cocktail excellent, qui a très bon goût. Mesdames, monsieur Touremel, bon, monsieur Bueltou, mais c'est un cocktail adoré, mesdames. Vous avez une chance, ouais, côté Don Ramon, t'es créé cocktail ça, dans San Juan, Puerto Rico, en 2014. Eh bien, tout de suite, ok, caméra maintenant, Carla, goûteuse là, qui tout le temps prend piña colada, monsieur, il prend piña colada, les. Puerto Rico ça. Donc, et puis, bon, de temps en temps, on boit et puis, des piña colada là tout. Et bien, il va confirmer pour moi, pour le dire, est-ce que formule Pamela, ça me fait à la rapprocher de
pina colada qu'on boit déjà. Bonjour, bonjour, hello tout le monde. Bon, moi-même, pina colada, tant que chef l'antil déjà, c'est, enfin, je dis à ces bartender. C'est un cocktail que moi aimé, que moi bois, parce que moi je ne bois pas d'alcool juste pour boire l'alcool, mais pour boire l'alcool, la pompe, gros, jus, agaï, whisky, rhum, etc. Moi je aime ça, ma boire pour les bons dans la bouche. Agréable dans la bouche. Agréable dans la bouche. Et moi j'aime pina colada tout parce que c'est un bagage qui fait à fruits. Déjà, je me dis que je bois un truc sain. C'est fait à base de fruits. Tu comprends? Si on a fait une réjouir, on a dit bon. Bon, là on commence à ça que tu es fait avec oh, déjà on va voir est-ce que vous tous les deux vous différent. Hein? Justement. Ça tu es fait avec shaker. C'est bon. Moi, je toujours préféré pina colada qui fait la caille là. Parce que yo même, yo fait avec vrai ananas, vous comprenez? Ananas naturel. Exactement. Alors, ce que l'on pile fois, ou bien aller non bon, mon opinion colada, c'est bagaille dans 15. C'est avec ananas, dans 15 jus, ananas, dans 15 jus, baou. Bon, déjà là, le fait que fruit est naturel, c'est déjà mieux. Oui, l'ananas est très frais. Très bon. Bon, vous connaissez si ça a pire goût ou pas, mais. Déjà, je préfère l'idée qu'il y ait un ananas même que un verre. Verre assez banal, assez ordinaire, alors que là, tu as un ananas entre les mains, ça fait plus exotique. Alors, si nous voulons, nous avons coulé ça tout, oui. Ok? Pas oublier l'ananas qui est sorti là-dedans, il n'y a pas de couler. Mais si vous voulez couler. Nous avons une mauvaise attente par rapport à ça, justement, que l'ananas n'a pas coulé, parce que c'est juste blendé là tout. Ingrédients directement, mais ça ne se remonte même pas. Donc c'est très bon. Tant mieux. Et bien. Je me rends compte que le bas coulé. Eh bien voilà. Bravo, merci au chef et merci à Don qui? Ramon. Don Ramon. Merci à Don Ramon pour la pina colada, c'est très bon. Ok, ma problème que pina colada est inventé par Don Ramon. Je suis oublié, ou Maro, c'est un Portoricain, si monsieur était en barman dans l'hôtel Hilton, San Juan, Porto Rico, il était inventé et cocktail ça le 15 août. Et côté il était inventé là, quand il était inventé pina colada, jusqu'à présent, soit visiter San Juan, Porto Rico, guide touristique là, pas manquer parfois passer devant Kaila et puis pour faire une photo. Ouais, des bonnes photos pas là. N'importe quel dans Porto Rico, songez, demandez pour vous mener nous côté Don Ramon de l'ETA. T'es inventé pina colada. Ok, donc Noël est aussi simple. Nous, café, y a un cocktail que nous-mêmes, fait comme apéritif pour Thanksgiving. C'est pour mon Thanksgiving, nous, ma travail là, bien que pina colada, cabrel, dans toute occasion, dans toute fête ou bien dans sauvelé. Ok? Merci pour tout le monde qui supporte la chaîne. Merci pour Mamio, Noyola. Ok? Vous connaissez Bossa ou bien Bossa? Bon, Bossa. Ok? Noé, non, Mounio. Ça, c'est ensemble monde qui supporte la chaîne. Marie Sister, Roland, Caroline, Ostiné, Lorenzi, etc. Tout le monde qui a dit merci. Et puis tout le monde qui compte venir supporter la chaîne. Ok? Eh bien, déjà nous disons merci. Moun qui veut supporter nous par PayPal, Kafel nan gaspardorilien@gmail.com. Moun qui en Haïti qui veut supporter nous, Kafel par mon cash nan 36 72 25 58. Merci. Prochaine recette là, c'est après maïs soufflé, toujours dans cadre recette Thanksgiving. Yo. À bientôt pour notre recette. Pina colada. Comme Kala dit le bon, tout pina colada, ça c'est pour Kala. Vous connaissez. En tout cas, moi, j'aime banane sucre. Parce que crème coco et ya, li gagne sucre là-dedans. Moi, j'aime là, je campe. Depuis novembre, 1er novembre, là, je campe sur sucre. Eh bien, enjoy, mon gibral boue pina colada. À bientôt.